sommes les Serbes brésiliennes, donc on est ici à Venise depuis 3 ans et demi. Nous sommes les Serbes carmélites messagères de l'Esprit-Saint, donc ici à Venise, on s'occupe des jeunes, surtout des enfants aussi, mais surtout avec les jeunes ici au Manguette. Et nous avons essayé de créer un lieu d'accueil pour les jeunes, un lieu où ils puissent venir, s'y rencontrer, partager leur foi, mais partager aussi un temps d'amitié entre eux, un temps de joie. Et donc nous essayons de tisser des liens avec ces jeunes-là qui sont très joyeux et qui nous apportent beaucoup. Ça va là? Ouais, comment sinon? Alhamdoulilah! C'est là là. Elle est moche! Je suis pas prête, c'est pas vrai! Ouais. Et on ne fait pas que de la religion. Hein. On est là, des fois on fait des sorties. On fait les après-midi avec les groupes des petits. Ils font à la cuisine, ils font des jeux, ils s'amusent. C'est trop bien. Mais oui, mais c'est pas grave, justement. Oh, Seigneur. C'est aussi comme des mamans, on va dire, aussi elles nous soutiennent, elles nous donnent des conseils quand on veut parler à ce moment-là. On peut ramener n'importe qui, les musulmans aussi peuvent rentrer ici. S'ils veulent, mais après s'ils veulent pas. S'ils veulent pas. Et en plus ils disent bonjour aux musulmans. Parce qu'il y a certains, ils venaient, il y a des fois, il y a des garçons qui venaient ici, qui venaient s'asseoir une fois. Ça date, je sais plus quand. Mais ils étaient venus, mais après ils étaient repartis. Les sœurs sont bien accueillies. C'est pas comme dans les films, non, vous sortez. Ouais. C'est là, eux, ils sont bien gentils. Eux, oui, eux. Elles sont gentilles, c'est vrai. Pour moi, être ici à Venise, surtout à Manguette, donc c'est aussi une joie. Quand nous sommes arrivés ici, on s'est senti très bien accueillis. Donc c'est un lieu vraiment chaleureux, un lieu où on peut vraiment être ce que nous sommes, sans préjugés, voilà, et vivre vraiment comme nous sommes. Attendez, bougez pas, on fait une photo. Là, bougez plus ma chasse, hein. Là, c'est photo. Madame photo. Mais c'est Karen. Parle. Attends, je vais sortir la croix. Faire genre, je suis le chrétien de lui. Je dis quoi? Dans quelle classe? T'as quel âge? Enchantée, je m'appelle Jay. Tu m'appelles Jay? Je suis en seconde. Ah, tu racontes ma vie, mais je suis trop conne, je vous dis. Mais vous comprenez pas, je suis trop conne. Ah, mais je m'appelle Jay, mais je suis trop conne. La vie. On peut recommencer? On peut recommencer? Pourquoi elle va passer à la télé? Elle va passer à la télé. Les sœurs. Ça fait. Tais-toi, moi. Ça fait moi... combien de temps, merde? Moi, ça fait 2 ans que je connais les sœurs. Moi, ça fait un peu longtemps quand même. Un peu longtemps, ouais. Genre 2 ans, 1 an. 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Oh, c'est la joie de du vivre, bonheur. Quoi. Ouais. Il nous fait beaucoup de beaucoup de plaisir. Il nous dit des trucs pour nous encourager. Pas de sous, pas de sous.
D'être là avec les jeunes ici au Mouguette, de pouvoir partager des moments ensemble et de savoir que nous sommes là pour apporter quelque chose, mais aussi on reçoit beaucoup d'eux. Et c'est vraiment des temps d'échange qui m'apportent beaucoup et qui m'enrichit personnellement. Une maman, ben c'est évident. Elle fait attention à nous. Elle a remarqué mon piercing. Non, mais c'est surtout bien parce que, en gros, ces lieux, ils disparaissent. Et c'est bien de retrouver des endroits où, genre, quand on sait pas trop. Genre, c'est au lieu de traîner dans les quartiers et tout ça, et on se retrouve à l'église. C'est comme. Je sais pas. C'est beau. C'est super. C'est la réaction, moi, là. Non, c'est quoi. Jamais. Pourquoi dire un truc? Non, mais c'est sûr, c'est mieux, on retrouve une deuxième famille qu'on a choisie. Et puis c'est la cité, tu vois. C'est la cité. C'est la cité. Ouais. 692 représente. Mais ce que je dis, ça, je rigole. Clash des fois. Ah ouais? Oui. Comment? Ma graisse. Si on m'agresse. Et elle, des fois, elle clash par rapport à elle. Elle ou il? Pardon, il. C'est bon, quoi. Sa peau aussi, sa peau de couleur. Des fois, elle fait ça pour rigoler. Pourquoi tu mens? Ah si. Elle ment. C'est vrai. C'est la police un petit peu aussi. Je sais pas, je connais une sœur, elle est trop gentille et tout. Bah, les gens, ils se ramènent de plus en plus et tout. Ils apprennent à faire connaissance et du coup, ils s'attachent. Et nous, on est attachés depuis. Ça va, là, bon tout le monde est là. Maintenant. Personne, voilà. Maintenant.